je m'appelle Maïwenn Clément et je suis la coordinatrice du Corps européen de solidarité et des actions internationales au sein de l'association InfoJeunes Lorient. Donc l'association InfoJeunes Lorient, le BIJ, est membre du réseau InfoJeunes et a pour mission en fait d'accueillir et d'informer les jeunes sur différentes thématiques, donc l'emploi, l'orientation, l'engagement, le bénévolat, le logement et la mobilité internationale. Nous coordonnons également un dispositif, donc le Corps européen de solidarité. Nous sommes structure d'envoi du CES. Nous accueillons également des volontaires et assurons la coordination de ce dispositif localement. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du projet Move Your Hope, qui est un projet de CES réalisé en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de Brest, qui pilote le projet, et l'association quimpéroise Gwenili. Donc c'est un consortium de 3 associations qui travaillent en partenariat au développement et à la mise en place d'accueil de volontaires européens sur le territoire du Finistère et du Morbihan. Donc nous accueillons une petite vingtaine de volontaires répartis dans différentes structures et nous accueillons notamment 5 volontaires à Lorient. Donc à Lorient, il y a plusieurs partenaires jeunesse du territoire qui sont impliqués dans la coordination et l'accueil de volontaires européens. Toutes les résidences Habitat Jeunes, la mission locale, les lycées Saint-Louis, Notre-Dame de la Paix et Saint-Joseph, les centres de formation comme l'IBEP, les centres sociaux bien sûr de la ville, donc le centre social de Carriado, la maison pour tous de Kervenanec, etc. Et puis l'accueil en fait de volontaires dans le cadre des projets européens, ça constitue aussi des portes d'entrée au sein des structures, ça nous permet de développer de nouvelles actions, de créer de nouveaux partenariats. Je pense par exemple à la résidence La Varangue, donc qui n'accueille pas de volontaires, mais qui est toujours très en demande en fait, de développer des nouvelles actions avec le BIJ, et ça va au-delà de la thématique de l'international. Antoine Marceau, je suis responsable de l'ensemble social Les Grands Larges, pour l'association Agora Service, donc qui est une association qui historiquement, depuis plus de 60 ans, fait de l'accueil de jeunes travailleurs, trouve des solutions de logement pour du logement temporaire pour des jeunes qui sont en mobilité professionnelle. Donc je travaille plus particulièrement sur les Grands Larges, qui est un ensemble qui regroupe une résidence de jeunes travailleurs centrales, une résidence de personnes âgées et 2 résidences périphériques sur des quartiers de la gare et le quartier de l'université, où travaille Anaïs. Du coup, moi je m'appelle Anaïs Poirier, je suis animatrice socio-éducative et référente du coup de la résidence La Varangue, qui est une résidence soleil de la résidence des Grands Larges, et où on accueille 86 résidents pour du logement de 15 mètres carrés près du quartier de Lanveur, de l'université, et où donc c'est une résidence où il y a beaucoup de multiculturalité, il y a beaucoup de personnes venant de l'international. Alors ça fait très longtemps qu'on travaille avec le Bureau d'information jeunesse de Lorient, InfoJeunes. On a mené un certain nombre de projets en commun, plus particulièrement sur les rencontres globetrotteurs, des cafés linguistiques, les ateliers zéro déchet. Enfin, on a eu l'occasion de multitudes de partenariats. Et c'est vrai que ça a été l'occasion effectivement de rencontres avec les professionnels, avec nos jeunes, et puis de faire du lien avec l'ensemble des partenaires qui se retrouvent au BIJ. Alors... On a refait fonctionner le partenariat depuis l'année dernière. Donc il y a eu le Café Globetrotter qui s'est tenu au Grand Large. Il y a eu le Café Linguistique, la Pitalk, qu'on en a fait un l'année dernière, et on en a fait un dernièrement là. Et le 31 mai, on fait un atelier avec l'UFC Que Choisir, l'association, pour un atelier de débat sur l'écologie et le développement durable. Donc en fait, notre objectif, c'est de perdurer le partenariat et de faire plusieurs animations donc avec le Bureau d'information jeunesse, où en fait, on laisse en autonomie les volontaires en termes de développement durable, de débat sur, la dernière fois c'était sur les langues et sur la culture, et là prochainement, après ça va aussi sur l'emploi et sur
le logement aussi, également. Tout à fait. Alors l'idée, c'est effectivement de profiter de ce réseau qui est créé par l'accueil de volontaires, qui va permettre effectivement d'être un petit peu plus attentif à ce qui va se passer dans le cadre des animations chez les partenaires, où on va effectivement essayer d'emmener des jeunes ou d'y participer parce qu'on a un volontaire qui est dans nos murs et qui va aussi faire la promotion des activités sur le territoire des autres volontaires accueillis. Donc, évidemment, ça crée une dynamique positive. Il y a des projets qui sont des projets aussi communs, qui sont menés ensemble. Donc forcément, cette énergie, elle l'entraîne derrière elle. Et pour nous, professionnels, c'est extrêmement intéressant. Dans le cadre d'une action organisée par le BIJ, donc la Semaine du Développement Durable, il y a plusieurs petits événements qui sont organisés, auxquels sont associés les volontaires, en partenariat avec des structures qui accueillent des volontaires et des structures qui n'en accueillent pas. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la Semaine du Développement Durable qui se déroule du 18 au 31 mai. Et il y a donc un atelier zéro déchet qui est organisé au Centre Social de Kériado. C'est un partenaire avec lequel nous avons déjà travaillé auparavant, notamment via des actions comme les cafés linguistiques par exemple. Cet atelier est animé par les volontaires européens, notamment Judith qui est originaire d'Allemagne et Alberto qui est originaire des Canaries en Espagne. Et donc, ils vont proposer à un groupe de jeunes de créer des produits éco-responsables, donc notamment un bivrap, c'est un emballage en cire d'abeille, et un dentifrice zéro déchet. C'est une dynamique à développer, elle est déjà présente, mais c'est vrai qu'elle est à préserver et à continuer et à poursuivre et à améliorer aussi. C'est pour ça que là, on peut diversifier les thématiques et que c'est hyper agréable de pouvoir compter sur le partenariat et sur les volontaires en se disant nous on amène des jeunes lors des animations, vous nous proposez le programme et on vient, et vous venez aussi à la résidence et ensemble on fait l'animation et du coup ça a un avantage où là on est en coopération et en cohésion, et du coup ça c'est plutôt que d'être chacun chez soi avec nos mêmes valeurs, là ensemble on arrive à beaucoup pousser, je pense, des barrières, je pense. Voilà, nous espérons continuer le développement de partenariats avec les autres structures pour les prochaines éditions et pour les prochains accueils de volontaires.